Aujourd'hui, je reçois deux jeunes étudiants en architecture qui ont décidé de venir m'aider au chantier. Alors juste avant de vous les présenter, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite. Les montagnards sont équipés. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont équipés, ils ont la toile de tente, ils ont le... C'est quoi ça les gars? Et on dirait des bières, et ça va pas non? Ils ont un petit réchaud, enfin, des vrais montagnards quoi, des vrais montagnards. Le truc qui manque ici c'est la douche. D'autres des lunettes de soleil. Ah oui, du coup, j'en ai pas. Bah, en fait, j'avais que celle-là de travail, et les autres, c'était les gens. En voiture, donc je regarde. Toi, t'en as ? Faut toujours en avoir, moi. Dans la mienne. Ouais, parce que c'est un petit truc, j'ai enfin. Bon, alors, Anthony et. Et Mathieu. Anthony et Mathieu. Mathieu était déjà venu, je crois. Ouais, en octobre. En octobre. D'ailleurs, je te ferai une petite interview plus tard, demain, peut-être. Ok. Bah. Par rapport à ton projet. Ouais, bah. Et donc là, vous êtes venu m'aider à poser du coffrage perdu, ce que je peux pas faire tout seul à cet endroit-là. Du Canex et du Nergalto. Voilà. Je vous ferai des prises de vue un peu plus tard. Donc on a posé tout ça, là. Tout ce qu'il y a là. Et puis on a posé de l'autre côté, dans l'escalier. Vous avez bien bossé, hein? Ouais. Vous avez posé le coffrage à peu près partout. Ouais, ça va et pas là, être mal. Regarde, faudrait essayer de prendre ça et de le ramener par là. Tu vois, comme ça, tirer vers là. Genre, accrocher les deux là. Cette rainure-là et cette rainure-là. Pourquoi avoir fait architecte hein? Ah, tu filmes, pardon. pourquoi enfin, c'était... Bon, Anthony, ça laisse répondre. Pour une fois. Ouais, bon, Anthony, on le voit pas. À travers les mailles. Je... À toi Mathieu, dis que tu voulais construire des maisons d'huile. Alors moi, pourquoi j'ai fait architecture? Parce que je voulais étudier la construction, donc le domaine de la construction qui est très vaste, et l'architecture, du moins les études d'architecte, j'ai l'impression que c'est assez vaste ce qu'on apprend. C'est pas forcément spécialisé, et aujourd'hui, si on veut trouver des spécialistes, on peut les trouver, mais pour avoir une vision d'ensemble et pour savoir ce que tu veux faire, c'est important d'étudier un peu tout globalement. Et moi, l'architecture, ça me permet de mettre un pied dans la construction et c'est là-dedans que j'aimerais proposer une innovation et construire mon entreprise. Pas forcément mais, faire architecte. Mais rien à voir, par exemple, avec tes parents. Tes parents ne sont pas du tout architectes. Ah non. Et... Non, mais disons que j'ai la construction, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé. Après, j'avais un grand-père qui était architecte. Ah, voilà. Ça m'a peut-être un peu motivé. Et mon père, il aime bien la construction aussi. Il travaille à l'urbanisme à la mairie. Bon voilà, j'ai un peu, j'ai des jeux. Ouais, quand même, t'as quelques... Famille qui, enfin, du moins, mes parents, ils sont sensibles à la construction, mais ils sont pas forcément architectes. D'accord. Bon alors, et toi, Anthony? Alors moi, je pense qu'à la base, j'ai quand même été attiré par une part de création, même si c'est pas forcément ce qu'on pense. L'architecture nous permet de faire certains choix dans le bâtiment. Et à côté de ça, j'ai toujours adoré construire des choses, donc le domaine de la construction était clairement fait pour moi. Et comme l'a dit Mathieu, c'est une manière de se plonger dans le bain de la construction, de façon assez générale, de voir tous les corps d'état. Et tes parents n'étaient pas du tout dedans, quoi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Mon grand-père était électricien, et à sa retraite, il a construit sa maison. Ah, et ça m'a fait un bel exemple. C'est peut-être ça, hein? Bon bah c'est pas mal hein. Je vous propose de terminer ce que vous faites et puis après on va faire un petit peu de projection. Ah oui, il y a des petites fibres là. En béton. Ah oui. Voilà.
Donc avec Anthony et Mathieu, ils ont coffré toute la voûte là, jusque assez loin à l'intérieur. Alors attends, peut-être pas que je mette le doigt devant. Voilà, jusqu'à assez loin. Bon, un jour et demi, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Et puis ils ont projeté. Depuis l'extérieur, là, on a projeté tous les trois. Jusqu'à peu près au milieu de l'axe de la voûte. La voûte que je voudrais terminer rapidement. Donc par le dessus, ça donne. Voilà, on projette là. Hop, et puis surtout derrière, là, l'endroit chiant. L'endroit qui m'emmerdait, quoi. Demain matin, on va continuer un peu, mais on n'aura pas beaucoup de temps, parce qu'ils repartent en début d'après-midi. Voilà, on va faire tout ça. Hop, 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 hop. On a posé le coffrage perdu dans le couloir de l'escalier. Et là, ils sont en train de poster. Alors t'es pas à ton aide là. Ça le fait là. Ouais. C'est de la balle. Il a pris la main. Allez, à toi. C'est sûr. Donc on a posé tout le coffrage là, jusqu'en bas. Hein? Alors si tu peux pas le balancer, mets-le plutôt en bas là. Faudrait... Là? Ouais, mets-le plutôt là si tu peux pas le balancer. Il y a un coup de main pour qu'il rentre avec force quand même. Ok. Quoi qu'à faire? Ça se zippe ou pas? Non. Non, on s'en ira. Ah, c'est avec la fenêtre. Tiens, je fais ça pour racler après. Yes. Du coup, Philippe, tu disais tenir bien droit, comme ça. Voilà. On commence par le haut. Tu commences où tu veux. Là c'est pas important. Là. Ok. Mais il faut remplir la maille. Donc. Ici? Ouais, il faut être plus près. Que tu sois plus près, voilà, comme ça. Hein. Voilà. Rappelle-toi, faut remplir la maille, ça sert à rien de faire monter, descendre, vaut mieux. Ah oui. S'arrêter sur un carré, okay. Bien le remplir, et puis après tu passes à un autre carré, etc. D'accord.